Étant une grande fille, je dois aider ma mère à traiter l'eau. Souvent, j'ai des maux de tête. Je n'ai pas assez de temps pour jouer et étudier. Je dois aller chercher de l'eau le matin et le soir. J'ai beaucoup moins de temps pour étudier et j'obtiens de mauvais résultats lors de mes examens. Je marche de longues distances pour aller chercher de l'eau. Je me fatigue rapidement et je perds ma concentration pour étudier. À l'école, on nous donne beaucoup de devoirs. À la maison, je dois aller chercher de l'eau très loin. Lorsque je transporte de l'eau loin de chez moi, j'ai des douleurs au corps et ma mère à la poitrine. Le puits offert en don par les enfants canadiens est situé près de ma maison. Je suis en mesure de faire pousser les plantes. Mes amis le font aussi. Un merci sincère à tous mes frères et sœurs canadiens. Je n'ai plus à marcher de longues distances pour aller chercher de l'eau. Je suis heureuse d'avoir plus de temps pour étudier. Je suis maintenant assurée de terminer première de classe. Les professeurs m'apprécient énormément. Merci aux frères et sœurs canadiens. Maintenant, je prends des bains deux fois par jour. Mes amis ne se moquent plus de moi parce que j'ai une tenue soignée. Merci sincère aux enfants canadiens. Maintenant, nous arrivons à l'école à l'heure. Nous étudions bien et sommes en santé. బాల వికాస సంస్థ వాళ్ళు గ్రామాల లోపల బోర్లు వేయడం వలన పిల్లలు కానీ గ్రామస్తులు కానీ దూరం నుంచి Maintenant nos enfants étudient bien et demeurent en santé grâce au puits offert par Bala Vikasa. విద్యార్థులు సరైన సమయానికి వస్తున్నారు ఆరోగ్యంగా ఉంటున్నారు మంచిగా చదువుకుంటున్నారు